entraînement dominé, Eric Comas. Oui, donc, et Berger vient de sortir maintenant. Oui, Berger vient de sortir. Eric Comas équipé de pneus de qualification, on n'est sorti qu'à 265 km/h de cette course, donc 10 km/h de différence. Berger n'a pas calé apparemment. Non, les roues sont reparties, mais il va y avoir les drapeaux jaunes. Et c'est fort dommage et pour Comas et pour Suzuki. On l'a vu, Berger a manqué son freinage. Et il a tiré tout droit par-dessus le vibreur. Il repart avec une voiture mal en point, je pense, côté suspension avant. La piste est sèche, mais les bordures sont encore humides. On le voit d'ailleurs sur les freinées blanches. Vous allez voir l'action au ralenti. Voilà. Allez, on a vu une petite traînée d'eau, donc à l'intérieur de la bordure, et vraisemblablement les pneus se sont gorgés d'eau, et il n'a plus eu l'adhérence nécessaire pour terminer son virage. Ah, un week-end pour l'instant difficile pour McLaren, avec un gros accident hier pour Senna. Suzuki 22-0-65 alors que hier il avait réalisé 21-737. Ce n'est pas assez, Patrick. 21-225, ça c'est bien pour Comas. Il avait fait une 21-7 comme Suzuki, une 21-225. Et bien sûr, pour l'instant, le met en 24e position. 25e position maintenant. Donc là, Comas a pris une bonne option. Et une place, eh bien, c'est 25e place.